c'est Baby Yoshock, c'est Baby Yoshock, c'est Baby Yoshock, on va jouer Baby Yoshock. Baby Yoshock, partie 5, je pense bien même. Partie 5, je pense bien même. Je pense bien même partie 5 de... Continue. Le marché champêtre. Pauvre petite Julie Lanford qui s'est fait tuer par Ryan. Maintenant je dois créer le vecteur Lazare. Et pour commencer je dois trouver cet échantillon d'enzymes dans le marché champêtre. Eh ben c'est parti. Ma chère Julie, j'essaie de faire des affaires ici. Si vous voulez passer du temps avec mes abeilles, je vais devoir vous faire payer ce plaisir. Si je vous trouve encore une fois en train de traîner près de mes ruches, je vais chercher mon fusil. Pour ce qui est de votre question, oui, j'ai oublié mes cours de l'école d'apiculture, mais je crois me souvenir de quelque chose au sujet de cette enzyme dont vous parlez sans arrêt. C'est de la bonne musique. La bonne idée. Les enfants, avec leurs longues aiguilles, leurs chansons discordantes, leur horrible glanage, leurs horribles pères dignes de Frankenstein. Mais nous avons tous posé la main sur une grande chaîne d'entreprise. D'économie, de découverte et d'action. Ma main tient cette chaîne, celle de Fontaine aussi. Nous la tirons tous
et elle nous tire. Ces enfants sont une abomination, oui? Et est-ce ma main seule qui les a créés? Non. Leurs petits doigts étaient à côté des miens sur la chaîne. Non, c'est Nico. Bon, ben, là, c'est une bonne défense. Une tourelle, une caméra. Et pas d'or. Auto de ratage, j'ai changé ça. Si mon arc était dans le fond. Oh. Je vis dans ce trou, j'ai fini par accepter ma vie médiocre. Mais même au fond de cet aquarium géant, un homme doit garder une certaine dignité. Le minable chez Worley, là, le négociant en vin, eh ben il met de l'eau dans sa piquette maintenant. De l'eau! Quand je l'ai confronté avec les faits, il m'a répondu: n'inquiète pas, Pierre, c'est de l'eau distillée. Ça pourrait être pire, j'aurais pu prendre l'eau de l'océan. C'est de l'eau distillée. J'aurais pu prendre de l'eau de l'océan. Ah.
Professeur Souchong, franchement, votre proposition me choque. Si nous modifions la structure de notre ligne commerciale de plasmides, comme vous le proposez, pour que leurs utilisateurs soient vulnérables à la suggestion mentale par le biais des phéromones, nous pourrions alors contrôler les actes des citoyens de Rapture. Le libre arbitre est le fondement de cette ville. Je ne peux supporter l'idée de le sacrifier. Et cependant, il est vrai que nous sommes en temps de guerre. Et si Atlas et ses bandits prenaient le dessus, ne feraient-ils pas de nous leurs esclaves? Qu'adviendrait-il alors de notre libre arbitre? La fin justifie parfois les moyens. J'ai entendu. Tu crois pouvoir te cacher, hein? Le Seigneur voit tous nos péchés. Amène-toi. Arrêtez! Le saut. Cheese. Ils sont beaux. Les gars plus sont les grosses brutes. Tiens, toi. De bord de vie. Où est passé? Aujourd'hui, j'en ai rencontré deux. Lui, un gros bateau engoncé dans une combinaison de plongée à l'odeur infecte. Et elle, hirsute et crasseuse, vêtue d'une blouse rose immonde. Elle était d'une pâleur inhabituelle, verdâtre, morbide. Il y avait quelque chose de désagréable dans son comportement, comme si elle vivait dans un monde différent. Je comprends l'utilité de ces créatures. Mais je souhaiterais qu'elles fussent plus présentables. Une fillette est venue s'asseoir sur mes genoux. Je l'ai repoussée en criant. Ne t'approche pas! Je peux voir la dent épais et vert dégouliner du coin de sa bouche. Elle a les cheveux crasseux et ce regard lointain. Je ressens cette haine en moi, bien plus forte que tout ce que j'ai connu. Elle bat dans ma poitrine brûlante de fureur. J'ai du mal à respirer. Je comprends soudain que ce n'est pas cet enfant que je hais ainsi. Ok. Je suis en train de... C'est la petite pièce-là, c'est le code. Je vais aller là-bas. Okay. That's an explosion.
de l'instrument du parasite. Fontaine est mort. Les cellules natives pour les remplacer par des cellules souches instables. C'est cette instabilité qui lui donne ses propriétés étonnantes, mais qui entraîne aussi des dommages cérébraux et cosmétiques. Il faut de plus en plus d'adam pour tenir le coup. D'un point de vue médical, c'est une catastrophe. Mais d'un point de vue commercial, Fontaine a tout compris. Un jardin. J'ai un dessin d'insectes qui attaque. Un fortifiant pour combat. La décharge électrique. Fortifiant physique. Pourquoi porte-t-il ces masques? Une partie d'eux-mêmes se souvient peut-être de ce qu'ils étaient, de leur ancien.
ancienne apparence, et ils ont honte. Doivent rester fonctionnels pour produire efficacement la dent. J'espérais les plonger dans un état végétatif pour qu'ils soient plus malléables. Le fait d'être en leur présence me gêne considérablement. Même avec ces implants dans leur estomac, ce sont toujours des enfants. Ils jouent et ils chantent. Parfois, ils me regardent et ne s'arrêtent pas. Parfois, ils sourient. Le score de recherche est fait par les photos. Ben là j'ai le plus. T'sais. Oh! Wow! 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 What? Ok. Oh non, pas vrai. Ouais. Ow! Ow! Ouais,
pas vu. Par là. On va aller là. Sur plus d'eau d'ici. Je regrette. Je vous obéirai. Je ferai votre volonté. Qu'est-ce qui se passe? Je vous tue. Oh, je peux faire l'effet de laser. Tada! Crie le vecteur laser. D'après ce poste manufact, je pense que vous êtes maintenant l'heureux propriétaire d'un vecteur laser flambant neuf. Placez ce vecteur dans une machine appelée le contrôle central de modulation et tu marcheras comme sur des roulettes. En 1919, j'ai fui un pays qui avait troqué le despotisme pour la folie. La révolution marxiste ne faisait que passer d'un mensonge à l'autre. J'ai fini, faut que je m'en aille, ça veut dire. Mais j'ai pas trouvé de code. Ce n'était plus un seul homme. Il jouissait du travail du peuple. Le peuple profitait du travail du peuple. What? What the fuck? Derrière moi. Jeez. La moindre question est menace. Veuillez y aller au plus vite. Conseil central. Oh, petite abeille. Thank you.
gagner l'Arcadie. Le marché champêtre est complété. Inutile de lutter contre l'inévitable. À bientôt, vous n'aurez plus d'oxygène. Et vous vous endormirez. En ton honneur, Julie, j'ai réussi à faire le Vecta. Le Vecta Lazare. Julie, il nous en faut plus pour le spectacle. Lazare ! Pas belle. Télé. What ? Come on, bon don au max, lui. Ah, mais si. Yeah ! Assez clair pour vous. Ceci suffira peut-être. Oh non. Ryan, vous avez été bon. Il va vous envoyer de l'inspecteur. Mieux pour regagner l'entrée du laboratoire et la verrouiller. Ce serait pas le seul moyen d'empêcher les contrôles d'entrée. Ok. Pète. What the flic. Ouais, il m'a envoyé un tremblement de terre. Vous allez mourir ici et maintenant, paradis. Mon Dieu, c'est fort, ça. Ce comportement ne m'étonne pas. Temporel. Oh, j'en veux 10.
Waouh. C'est derrière moi. Hey, nice la tourelle. Elle peut faire des poignées. Ah ouais, tourelle attaque. Ok, c'est bon. Hey, bravo tourelle. Progression 33%. Michel, combien de temps faut-il pour préparer ce maudit vecteur? Ah, il est là. Oh, salut monsieur, je laisse passer. Oui. Non, la tourelle va attaquer. Détection du point de téléportation du chromosome se replie. Le vecteur est-il prêt? Qu'est-ce que vous attendez à actionner l'interrupteur? Oh, je peux. Le vecteur. Ouais, reste lui comme ça. Ping. Bien joué. Wow. Respirez profondément et appréciez. Ensuite, dirigez-vous vers les collines roulantes et prenez la bathysphère. Votre prochain arrêt sera la maison de Ryan. Il est temps de faire couler le sang. La maison de Ryan? Déjà?
prêt à m'en aller encore. Comment se fait-il que vous résistiez aussi bien aux méthodes canoniques de séparation de l'âme et du corps? Vous n'êtes pas de la CIA, je me trompe? Vous appartenez à Atlas, le seul cafard qui semble résister à l'extermination. Ne vous inquiétez pas. Le temps que je trouve le bon poison, ce sera fait. Ah bon? Faut que j'aille où, juste? Ça doit être la forteresse Fallout. Ça me dit rien. Forteresse folâtre. Vous y êtes, Mac. La bâtisseur qui mène à Ryan est droit devant. Ryan a remis les clés de la forteresse folâtre à un certain Sander Cohen. Pour beaucoup, Cohen est un artiste. Pour ma part, je pense qu'il est totalement cinglé. Dans ma vie, j'ai vu toutes sortes d'assassins. Un cas extrême. Mais Cohen est totalement dément. Un psychopathe ici. La tristesse. Eh ben, ça va être dans une autre vidéo. Celle-là est complétée. On va s'en servir pour être certain. Et voilà.